Bonjour à tous, ici Angren Epsi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 13 sur Super Mario Galaxy 2 les boys. Il est temps de continuer notre aventure, c'est parti. Et cette fois-ci, j'annonce que nous aurons normalement assez de gemmes, enfin de gemmes, de fragments, pardon, pour inviter donc le Guinfoloma et lui donner à manger. Voilà. Et on le fera donc à la fin. C'est pour ça qu'il faut que je récupère un maximum de fragments. Donc l'usine Chomp en dernier ressort. Qu'est-ce donc ? Ah ! Le fameux Mario ressort. Je suis en train de me dire, pourquoi ressort ? Bah du coup ça fera un trophée. Ça pourra faire qu'un trophée en fait. Hein. Yeah ! Ah, faut juste pas trop faire le con parce que vous savez comment ça se passe ce truc là. Ok. Ça sert à quoi si c'est pour me l'enlever en fait. Voilà. On n'oublie pas de récupérer ces trucs. Ok, là il suffit juste d'être synchro. C'était justement ça que je voulais éviter en fait. Si tu sautes pas au bon moment. D'ailleurs, c'est pas la peine quoi. Oh putain! Ah d'accord, ça a bugué là. Ok. Voilà. On va faire attention. Non mais ça m'énerve en fait quand ça fait ça, je vous jure que ça m'énerve. Et voilà, mais c'était tellement pas compliqué en fait. C'est le comportement du ressort en fait que j'aime pas. Je vais tomber. Ça se déplace tellement mal. Oh, je les ai tous eus, nickel. Casse-couille, hein. Qu'est-ce qu'il y a par là, en fait? Y'a rien. Mais c'est tellement... C'est tellement infâme à contrôler. Mais putain, c'est infâme à contrôler. Regarde. Mais putain. Oh putain. Je jure que c'est infâme. Voilà. Oh, yeah. 5 minutes pour avoir cet étoile quand même. C'était pas très compliqué, mais c'est juste le ressort en fait qui est chiant là. Et puis la phase avec les chomps aussi là. Mais du coup, ça veut dire qu'il reste encore deux power-up qu'on n'a pas encore découvert. Parce que pour moi, c'est les seuls que je connaissais en tout cas dans Mario Galaxy 1. Maintenant, il en reste deux autres. Alors, ça pourrait être lesquels? Mario Caillou, je crois qu'il est nouveau. Et la Toupie, elle est nouvelle aussi, il me semble. Il en reste deux autres. Écoutez, hein. On va bien voir, hein. Faites tant mieux, et puis toi t'es là, tu fais rien, tu sais. Bon, bah du coup, on va aller à la plage astrale. Voilà. Dun, 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 dun.
Étoile d'argent et sable blanc. Ok. Ça marche. Temps en temps, il y a des petits frises comme ça, hein, à côté, hein. Ah, ça, c'est le genre de niveau, tu vois, qui te met bien, tu vois. Ça fait penser à Superman Sunshine, ça. Ça, c'est direct. Ah, le meilleur pour la fin, tu sais. Attends, il n'y a pas des trucs cachés avant de... Non, hein, il faut juste aller dans le... Mais il est où l'intérêt en fait de nous mettre ici si c'est pour nous mettre juste une étoile quoi. Bizarre, ils auraient pu déjà tout de suite nous emmener quoi. Je pense que je vais pouvoir les ravoir ces fragments mais... Ah, écoutez la musique quoi. Voilà, ça c'est le genre de niveau qu'on adore. Quand c'est tropical comme ça... Ah, regardez! Il y a des piantissimo. Non, c'est pas des piantissimo. C'est des... Des villageois Delfino là. Ah bah écoutez, en plus on a eu Yoshi, c'est juste parfait là. Ah oui, d'accord, ok. Ça sert à rien. Bon, apparemment, c'est juste les étoiles d'argent qu'il faut faire ici. Ah merde, putain, j'avais pas vu. Ok. Alors, comment faire pour ouvrir ces trucs-là? Est-ce qu'il faut prendre un crabe? Ah, attendez, parce que là... Ok. Ah, c'était juste pour avoir ça. Est-ce que Yoshi reste? Non, il disparaît, ok. Putain mais c'est trop bien en fait, tu peux même aller sur les feuilles des palmiers quand, comme dans Superman Sunshine quoi, c'est juste trop bien. Ok. Bon je pense qu'il faut plus prendre ça pour casser ces machins là. Voilà. Ça nous en fait une. C'est trompé de touche. Ah, il y en a une là-haut. Ah non, ça c'est un ballon. C'est un truc pour qu'il puisse s'envoler. Oh, c'était juste, hein. Y'a rien là-haut? Non, je pense pas qu'il y a quelque chose. Hein. Ok. Alors, où est-ce qu'il y aura encore une étoile? Apparemment ici. Il y a des trucs ici, mais... On va aller là au fond, il y a quoi là? Je vois rien. Je vois absolument rien, donc... J'annonce que je pense qu'il faut mieux pour mieux qu'on aille là-bas. Ah attendez, celle-là elle a l'air sympa à voir. Celle-là elle a l'air simple de chez simple. Voilà, celle-là elle est faite. Moi, je peux avoir les deux autres en fait, hein. Elles sont juste là-bas.
Ah, on connaît ces petites araignées là. Elles étaient dans Mario Sunshine aussi. Heureusement qu'il peut nager notre ami là. Attends juste, elle est où l'autre? Je sais plus où elle est l'autre. Ah, elle est là. Sauf que comment je fais pour la voir? Il y a des trucs en forme de... Attends, il y a quoi là-dedans? Il y a beaucoup de choses à voir dans ce petit niveau là. Ah, ça on aime. Oh, raté. Du coup, attendez voir, parce que je sais pas du tout comment on fait pour... On va voir celle-là. Ah mais d'accord. En fait... What? Ça se joue avec la gravité, on dirait. Voilà! C'est pourtant pas compliqué. Ah, évidemment elle va à l'autre bout quoi. Et attendez, y a pas une médaille comète ici? C'est vrai que pour le coup j'ai pas forcément regardé. Où est-ce qu'elle pourrait être celle-là? Médaille comète. A tous les coups elle est là-haut, mais je sais pas du tout comment on fait pour aller là-haut. C'est quoi ce truc? Ah mais c'est de là où on vient forcément. Ouais ben peut-être qu'elle est au fond de l'eau là, je sais pas trop. Ah c'est obligé, elle est là au fond. Et bien sûr, c'est obligé. Tiens, regarde où elle est. Ah non, ça c'est juste une pièce. Ah, elle aurait pu te planquer là-dedans. Il y a quelque chose à faire avec ces trucs là. Ah, c'est vrai que pour le coup là... Peut-être qu'elle est là-dedans, je sais pas trop. Ah bah elle est là. Tu peux... Ah, si je manque d'air... Allez vas-y redescends. Ok c'est bon, j'ai réussi à la voir. Nickel. Ah c'était obligé qu'elle était là parce que je la voyais pas avec le truc avec la caméra là. Ok bah comme ça on aurait eu la médaille comète et puis l'étoile quoi. Première étoile de cette petite galaxie qui fait plaisir. Voilà. Attendez, laissez-moi voir un truc, parce que je crois que là, oui, il y a des fragments. Ah, ben voilà. Nickel, on peut accéder donc... au boss. À chaque fois, quand j'arrive de là-haut, j'ai l'impression qu'il y a des fragments, en fait, qui volent. Mais non, ça doit être un bug je pense ou un truc.
Du coup, bah, on retourne la même galaxie. On peut même faire apparaître la route pour ça, là. Ça, c'est fait. Voilà. Et qu'est-ce qui nous attend ici? Faites voir, enfin. La forteresse féroce de Bowser. Ah, ça rigole pas, là. Là, ça ne rigole point, les amis. Ça ne rigole point. L'escalade de la tour des nuages. Ah. Donc certainement qu'on va voir... ouais, je m'en doutais qu'on allait voir Mario Nuage, c'était obligé. C'est juste ça en fait. D'accord. Mon trouble là, il y a Luigi à chaque fois qu'il arrive, mais ça sert à rien. Voilà. Parce que... Allez, vas-y, donne-moi les fragments. Voilà. Oh. Il voulait pas aller dedans. Que nous avons un pic-pic ici qui nous dit qu'il faut pas qu'on y aille. Ça marche. Oh, ça on aime. C'est vrai qu'on s'enfonce dans le sol. Voilà. Attendez, parce que là, vous voyez, c'est pas là. Ça, c'est certainement bon. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit là? Je sais pas comment on peut faire. Je sais pas du tout comment on peut le déterrer ce truc là. Et peut-être que c'est un truc caché, je sais pas. Ça me dit quoi ici? Tu veux structuter les alentours? Ouais, mais ça je savais. Je savais, merci. Merci, merci bien. Moi je suis sûr qu'il y a une étoile cachée ici. Hein. C'est obligé. Hein. Il doit y avoir une étoile cachée dans ce monde. En tout cas, nous on doit aller là-bas d'abord. La question c'est... La question c'est comment faire parce que du coup... Moi on est d'accord que je peux pas aller sur les nuages. Ah oui, je passe à travers. Pourquoi les buses ici elles tirent pas? Qu'est-ce qu'il a à me dire lui? Il y a un truc qui brille là-haut bien au-dessus des nuages. Qu'est-ce que ça peut mettre? Ah ça là, tu m'aides pas en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah! D'accord. Ok. D'accord, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ça sert à rien, putain. Comment je peux y aller si j'ai pas accès aux nuages? Comment je suis censé aller là-haut? Ah.
La construction de cette tour est enfin terminée. Bizarrement, l'entrée se trouve au fond de l'océan. Ah, d'accord. L'entrée se trouve au fond de l'océan. Et de quel côté au juste? Ah, c'est peut-être ouvert maintenant. C'est peut-être pour ça. Ah, mais oui, regardez, maintenant c'est ouvert. Avant c'était fermé. Je comprends maintenant comment aller là-haut. D'accord, et du coup t'actives ce truc et ça fait quoi? Ah, voilà. Vas-y. Ouais. Ah, j'adore. Donc là, il va être question en fait de pas aller dans l'eau. Très attention de pas aller dans l'eau. Ok. Ah mais regardez ça, maintenant c'est activé. What the fuck? Mais ça sert à quoi? Comment je suis censé aller là-bas? What? Parce qu'on est d'accord que j'ai que le droit à 3 nuages. Mais le problème c'est que pour aller... Pour atteindre... Ah, attends... Ah, faut utiliser ça! D'accord. C'est vrai que pour le coup là, ça change la donne. Ah bah attention par contre. Je te connais pas. Ça c'est un overcraft le truc. Voilà, doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Ok, bah c'était tout simple en fait. Ok. Très bien. Ah là, super. Hup. Bon là, je pense qu'on doit avoir assez de fragments, très clairement. Alors, qu'avons-nous là? Tu veux faire joujou avec ton petit nuage? Oh, amuse-toi bien, t'as juste à garder les pieds sur terre. Arf, arf. Pourquoi il nous a donné ça? Est-ce qu'on peut accéder à quelque chose? Je pense pas, hein. Peut-être pour aller là-haut. Ah, je pensais juste pour aller là-haut. Hein. Ah non, regardez, là. J'ai vu un nuage, là. Vous avez vu, là, il y a un nuage. Aïe. C'est quoi l'intérêt de mettre un nuage? Attendez, on va le prendre, on va le prendre, on va voir ce que ça fait. Mais putain, mais je vois rien. Mais là j'étais pas du tout du bon côté quoi, c'est... Ah mais c'est juste pour avoir un champi. Pff. C'est pas forcément utile. Bref. Assez perdu de temps là-dessus. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Il nous reste donc ça. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va inviter le Gouin Freluma. Parce que là je pense qu'on doit avoir très clairement les
les fragments pour en fait. Ouais. Donc il en veut 1200. Hein. Ouais, c'est bon, je les ai. Retiré. Voilà. Ah, il nous en reste plus que 90 par contre. Il va falloir refaire le plein. Voilà. Ah, bouge pas. Il va exploser. La musique est de plus en plus aiguë. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais point. Succulent mystère. Ah, et en plus, il y a une comète perceuse à avoir. Bah écoutez, c'est parti alors, on va faire ça. Fruits et biscuits. Ah. D'accord. Ah ouais, je vois, faut prendre ces trucs d'or là. Ok. Alors, ça fait quoi ça déjà? Ah ouais, c'est ça. Ok. Allez. Le truc qui fait marrer. Oh, faut qu'on revienne en arrière. C'est bon. Comme ça, on l'aura eu. Non, non. Ok, c'est bon. Ok, ça devient vraiment chaud là. Mais on a eu la médaille comète, c'est tout ce qui compte. Ok. Toujours penser à prendre ça. Ok, c'est bon. Ça fait apparaître ça. Ah, comment j'y vais? Comme ça. Wow, c'est tendu, hein. Tendu du slibard. Ok, il faut se dépêcher, je pense, trouver là. Ok, je me suis déjà planté parce qu'en fait il y a les ennemis qui me gênaient. Ok, alors je sais pas si on peut tomber dans le vide quand ça fait comme ça là. Ok, on l'a eu. Ah, c'est nickel. Waouh. Bon, bah, un épisode un petit peu plus long aujourd'hui, hein. Ah,
Ah, mais en fait, le truc que je croyais que ça faisait des fragments dans le ciel, c'est les étincelles de l'étoile, en fait. C'est pour ça. Ok, je vois. Bon, bah voilà, bah écoutez. Les amis, on va se laisser là, du coup, pour cet épisode numéro 13 sur Super Mario Galaxy 2. Pensez, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis sur ce, on se donne à vous la fois prochaine pour continuer notre aventure. C'était Iconite, on se retrouve pour le next épisode. Oh yeah!